Ok, fait que dans le fond, on est là en train de filmer, me filmer. D'habitude, c'est nous qui filmons les gens. Là, on me filme. Si on me filme aujourd'hui, c'est parce que j'ai décidé que j'allais faire un reportage sur ma vie. Mais pas sur ma vie dans son ensemble, mais sur les abus dans ma vie. Les abus dont j'ai été victime dans la vie, les abus qui ont marqué ma vie. À commencer par mon enfance. Du coup, moi, c'est un problème que beaucoup de gens comme moi, qui ont été abusés sexuellement dans leur enfance, psychologiquement également, des fois physiquement, moi pas tant, mais c'est sûr que être abusé sexuellement, c'est un abus physique aussi, mais alors être violenté, pas vraiment, mais souvent, on oublie les dates exactes dans lesquelles ça se produit. Mais dans ce reportage-là, on n'accordera pas tant d'importance à ça parce qu'on se dit que c'est surtout pour les cours que c'est important, puisqu'on se fait poser toujours ces questions-là quand on voit un cours. Puis en ce moment, ben, c'est pas ça qu'on est en train de faire, on est plutôt en train de filmer ce que j'ai à dire sur le sujet. Du coup, mon nom, c'est Christian Labrecque. Si je dis mon nom au complet cette fois-ci, c'est parce que vous allez comprendre que les abus sont liés à mon père, puis que ça pourrait éventuellement, si les gens voient et qui ont été abusés aussi par lui, se rattacher au nom de Daniel Labrecque, qui est le nom de mon père, qui est aussi mon nom, parce que je porte aussi son nom à mon baptistère. Du coup, ouais, j'ai été abusé par Daniel Labrecque, qui est mon père. Dès le jeune âge, à peu près vers 8 ans, ça a commencé un soir où je suis revenu de l'école, puis on se chamaillait comme pour le fun, comme on les ben des enfants se chamaillent physiquement avec leur père, particulièrement des garçons. Mon père, à ce moment-là, m'a comme étampé dans le plancher, c'est-à-dire il m'a mis au sol. C'était pas particulièrement violent, c'était genre une bataille, c'est comme une bataille, on s'amuse à ça. Là. Je l'accuse pas d'avoir m'avoir violenté à ce niveau-là. Par contre, en me couchant sur le sol, il a commencé à mettre ses mains sur mon pénis. Puis à ce moment-là, ben, c'était le premier attouchement qui m'a fait. C'était le premier d'une série d'autres événements. Mon père m'a touché cette fois-là. J'attends que ce soit l'heure du souper. Je crois que cette journée-là, ça s'est arrêté là. Mes parents avaient un restaurant. Ce que j'en ai compris, c'est que mon père aussi recevait des jeunes à son restaurant après les heures de fermeture pour lui faire des attouchements, pour avoir des relations sexuelles payées avec lui. Ce qu'on appelle la prostitution. Parce que, de toute façon, aussi, il m'en a parlé souvent, la prostitution juvénile, comment ils abusaient de jeunes garçons à travers ça. Mais pour revenir au restaurant, mes parents avaient le restaurant, donc ils travaillaient chacun à leur tour. Et les soirs où ma mère n'était pas là, souvent ma mère dormait ailleurs, ce soir-là, pour s'occuper d'une amie, ben, c'est les soirs où mon père, il venait me voir avant que je me couche pour me dire d'aller leur rejoindre. À ce moment-là, moi j'avais souvent peur la nuit. Je fais une insomnie depuis très longtemps. Je pense même avant qu'il m'ait abusé, mais en tout cas, l'insomnie est devenue plus chronique encore. Fait que j'allais la rejoindre. Puis à ce moment-là, il me touchait avec ses mains. Après ça, il me touchait mon sexe. Il me faisait toucher au sien. Et des fois c'était avec les mains, des fois c'était avec la bouche. Ça m'est arrivé souvent de me réveiller le matin avec son pénis entre les fesses. Mon père avait un assez gros pénis, alors ça faisait particulièrement mal. J'étais quand même relativement jeune, puis comme ça, j'avais des petites fesses à ce moment-là. Mais bon, c'est beaucoup de détails, peut-être un peu inutiles. Mais bon, pour juste faire sentir aux gens qu'est-ce que ça peut être
de se faire abuser à cet âge-là. Quoique je doute que les gens qui ont pas été abusés aient vraiment une sensation à ce point corporel. Parce que je le sens encore, le pénis de mon père entre mes fesses. C'est comme je vais me sentir probablement tout le reste de ma vie. Du coup, ça s'est continué comme ça. Mon père m'amenait des fois en plein air. À ce moment-là, il me touchait dans sa voiture. Et puis, il y a eu d'autres nuits où je passais la nuit à côté de lui, puis c'était passé la même chose. Du coup, c'est arrivé au moins pendant des mois, j'ai l'impression. Encore là, j'ai un blackout, mais c'est quand même commun à plusieurs personnes qui ont été abusées sexuellement. Après ça, un soir, je suis revenu de l'école avec un bobo, comme un bouton au-dessus du pénis. Je comprenais vraiment juste pas ce que c'était. J'étais pas mal jeune à cette époque-là, puis je comprenais pas grand-chose de la santé humaine à ce moment-là non plus. Fait que je suis allé prendre mon bain, puis toujours ça que je regardais, puis là, je paniquais un peu. Fait que je me suis mis à pleurer. Puis là, ma soeur est venue, puis elle m'a dit qu'il fallait le dire à mes parents. Alors, on l'a dit à ma mère ce soir-là. Ma mère, je crois, est allée souper à la brasserie dans les soirs suivants avec mon père. Un des soirs suivants avec mon père. Puis elle lui a dit, semble-t-il, d'arrêter. Ce qu'il a fait à ce niveau-là. Par contre, faut savoir aussi que mon père m'a toujours dénigré. Tout ce que je faisais dans la vie, c'était pas bon. Je travaillais pour lui, en général, qu'est-ce que je faisais, c'était pas bon. En tout cas, j'étais vraiment un bon rien. Puis souvent, il me dit que j'allais rien faire de bon dans ma vie. Du coup, c'est aussi, ça m'a été inculqué très jeune d'avoir une très faible estime de soi-même. Et puis, l'abus sexuel aussi fait en sorte de nous rabaisser. Du coup, on développe une faible estime de soi-même. Du coup, j'ai vécu dans ma vie, je commence à avoir à peine une bonne estime de moi-même et je vais avoir 40 ans cette année, ou plutôt l'année prochaine, mais en tout cas, dans un mois à peu près. Du coup, ça a été long, puis c'est un travail de tous les jours. Pendant longtemps, j'ai eu des idées suicidaires, j'ai voulu mourir, je souffrais énormément. Du coup, je parlais du fait que ça avait arrêté au niveau de ces attouchements-là. Mais par la suite, ça a continué. Mon père s'exhibait, c'est du naturisme ou du nudisme devant moi. Il exhibait son pénis, il se masturbait quand les gens avaient le dos tourné. Même pas moi, j'avais pas le dos tourné, je me voyais faire. Ça a continué pendant des années et des années. Aussi à me dénigrer, etc. Ma mère a plutôt dit, ben, fais comme s'il n'existait pas. Puis aussi, elle m'avait dit de garder le silence par rapport aux abus que j'avais vécu, parce que ça allait probablement briser la famille, puis ça allait attirer la honte probablement aussi. Du coup, j'ai tenté de conserver ça pour moi-même pendant longtemps. Puis mon père, c'est ça, il faisait tout ça, mais il racontait aussi ses histoires avec des prostituées juvéniles dans différents endroits publics de Québec, autour des piscines en particulier. Du coup, mon frère, pas mon frère, mais mon père, me faisait vivre dans un univers sexuel constant où c'est plein de jeunes hommes, puis lui, qui en abuse. Du coup, je viens vraiment d'un milieu où le père est abusif et la mère est un peu impuissante, inactive, tout au moins. Du coup, j'ai eu à endurer ça une partie de ma vie. Puis, ça a été vraiment violent à plusieurs niveaux. La construction de soi-même, la construction de sa sexualité. Violent au niveau de l'identité sexuelle parce que je savais pas ce que j'étais. Je commence à peine à pouvoir savoir un peu qu'est-ce que je suis à ce niveau-là. D'avoir plein de choses dans la tête dégueulasses, d'hommes qui abusent d'enfants, de mon père qui abuse de moi, de mon père qui abuse éventuellement d'autres personnes dans mon imaginaire, parce que ça se passe en réalité, mais je l'ai pas vu, alors je l'ai pensé. Et du coup, aussi que savoir qu'il y a plusieurs personnes, particulièrement des hommes, qui ont été abusés sexuellement, qui reproduisent ça, du coup la peur que j'ai de moi-même de reproduire
toutes les cochonneries que mon père me fait subir. Bon, là, je parlais des abus que mon père faisait vivre à d'autres personnes aussi. À un moment donné, j'étais à la piscine publique, à la polyvalente de Charlebourg. Hippodrome, ça s'appelle. Puis, j'étais en train de prendre l'eau avec un ami. Un ami m'a dit, Christian, fais attention au monsieur qui s'en vient vers nous, sur le bord de la piscine, parce qu'il m'a pris sur le pouce l'autre jour, puis il m'a touché. Mais moi, cet ami-là savait pas que c'était mon père. Fait que ça m'a vraiment frigorifié. Mais je savais que c'était un contexte qui était... qui favorisait l'abus sexuel, puis... Mon père avait un autre ami aussi, qui probablement abusait d'autres mondes. En tout cas, je parlerai pas de temps, parce que j'ai pas de preuves. Mon père, je peux bien en parler, parce que je suis la preuve vivante de qu'est-ce qu'il a fait. En tout cas... Mais changer quand même des remarques, des commentaires sur les abus qui pouvaient faire vivre des jeunes hommes, dont moi. Puis c'était vraiment dénigrant. C'était genre... des insultes typiques patriarcales, mais généralement qui sont adressées aux femmes, mais qui là, je généralise juste aux hommes aussi. Alors, c'est quoi, c'est des salopes, c'est des chiennes, on les dresse pour ça. Puis longtemps, c'est comme... T'as beau dire que ces insultes-là, ils méritent pas d'être, puis qu'ils devraient pas être non plus, mais à force de te faire vivre tout ça, ça finit par rentrer dans ta tête. Du coup, tu te traites toi-même comme une chienne, comme une salope, comme... Puis plein de fantasmes qui t'habitent toute ta vie, de soumission, de reproduction de ces abus-là, que tu sais pas trop si c'est toi ou pas. Dernièrement, j'ai eu la chance de lire le livre noir de la violence sexuelle sur Muriel Salmona, que j'encourage à tout le monde de lire, qui nous explique bien aussi comment on vit en tant que personne qui est abusée sexuellement avec les fantasmes de nos abuseurs. On peut même faire vivre sur nous-mêmes. Du coup, tout ça, ça fait beaucoup. C'est pour ça que mon père, non seulement elle m'a abusé sexuellement, mais aussi été mon premier employeur. J'ai commencé à travailler, j'avais 10 ou 11 ans. Fait que tout ça coexistait. Donc du coup, j'étais abusé très rapidement par l'autorité dans ma vie. Du coup, j'ai développé plusieurs problèmes à réaction à l'autorité. Parce que j'ai discuté à faire la différence dans mon corps entre l'autorité qui est légitime puis l'autorité qui l'est pas. Quoique, bon, je suis devenu anarchiste, alors je crois qu'il y a beaucoup d'autorités qui ne sont pas légitimes, tout simplement. Mais bon, à ce moment-là, j'étais pas aussi clair dans ma conscience politique. Du coup, c'était difficile pour moi d'identifier quelles étaient les autorités qui étaient bienveillantes et quelles étaient les malveillantes. Avec un père qui fait ça, puis une mère qui a le fait cesser les attouchements en tant que tel. Sauf que tout le contexte psychologique de destruction est resté là pendant des années et des années. En fait, ça a arrêté quand je suis parti de chez mes parents. Du coup, toutes mes premières années de vie ont été dans la destruction. La destruction qui éventuellement aura amené aussi l'autodestruction. Bon, la destruction, à mon niveau, ça s'est vécu par de multiples dépressions. L'automutilation, les idées suicidaires. L'ultra-sexualisation de choses atroces. Sur moi-même, surtout. De fantasmes que j'avais aucune idée, et j'ai toujours aucune idée de quoi faire avec ça, à part de les laisser passer. C'est pas mal ce que j'en suis venu à dire que... Bon, ça va m'habiter probablement toute ma vie, mais... Je veux juste pas les vivre. Parce que c'est juste l'entretien d'abus multiples que j'ai vécu, puis qui pourraient se revivre, mais qui n'ont pas lieu d'être. Du coup, cette violence-là m'a écrasé au lieu de me construire. Normalement, ce que je disais hier, c'est que les parents sont comme là pour propulser vers l'avenir leurs enfants. Moi, ça m'a détruit plus que de la propulser.
Je vais encore avec tous les phénomènes corporels, le problème avec l'intimité, avec d'autres, particulièrement avec les hommes. Je vais juste aller aux toilettes pour n'importe qui, y aller pisser à l'urinoir. C'est vraiment un geste simple, normal. Mais moi, je me sens mal à chaque fois que je vais pisser là puis qu'il y a quelqu'un qui s'approche. La peur viscérale d'abuser des enfants à son tour. La peur viscérale de ressembler à son père et d'être une bête pour d'autres personnes. D'être pas une bête, mais un monstre. Parce que les bêtes font pas ça généralement, justement. Mais un monstre. La peur de, ouais, de devenir soi-même monstrueux. Puis de refaire subir à d'autres autres ce que tu as vécu. Parce que ça hante ton imaginaire. Même si t'en viens des fois à dire que non, c'est pas ça que je voulais faire, mais ça te hante. C'est comme une dissociation entre ta conscience et ce qui te hante, ou entre ce que tu es capable de rationaliser et puis l'inconscient violenté. Tout ça t'amène aussi à genre ce qu'il disait aussi le livret noir de la violence sexuelle, à la dissociation. À bien des égards, à te dissocier de toi-même. En trouvant les moyens de le faire, par la sexualité à outrance, par la drogue, par l'alcool, par d'autres mécanismes aussi. Moi, j'ai pas tant tombé dans la drogue, mais j'ai quand même consommé beaucoup, beaucoup d'alcool. Je fais des dépressions en récurrence. J'ai aussi, à certains niveaux, à certains moments de ma vie, vécu de sexualisation. Abusif sur moi-même, sur d'autres aussi. Mais bon, les abus ne sont pas répétés comme moi je les ai vécus. Mais des problèmes majeurs au niveau de ton vécu sexuel d'une manière ou d'une autre. Avoir la conscience imaginaire sexuelle vraiment trash. Oh, plein de saloperies constamment dans ta tête. Qui t'amène aussi à être dépressif parce que tu te comprends pas toi-même puis que t'arrives de la difficulté à ressentir toutes les sensations corporelles liées à ça puis tout l'imaginaire lié à ça puis au fait que ça se continue puis ça se reproduit en toi puis qu'il y a plein de problèmes qui se posent au niveau de ta chair puis ton esprit à partir de ce geste de destruction, de pouvoir de pression. Puis le fait que ça détruit aussi genre le lien de tes racines, genre pour beaucoup la famille c'est comme quelque chose de fondamental puis c'est comme ben important puis c'est le sens, ça donne sens à ce qu'ils vivent dans le reste de leur vie. Mais moi, il y a toujours cette tendance-là que si je retourne à ma famille, je retourne vers lui, parce que lui n'est jamais disparu de la famille, il a toujours été conservé là. Puis le fait que ma mère ait entretenu le silence, puis que ça a pris du temps et du temps avant que je puisse dire ça, ne serait-ce qu'à mon frère le plus vieux. Mais s'écraser dans le silence aussi, de tout vivre ça par soi-même, d'être écrasé littéralement, puis que personne ne le sache, que tout le monde pense « Ah ben, il y a quelque chose qui marche pas avec lui, mais c'est probablement lui-même qui marche pas. » C'est comme « C'est ta faute, là, ça va pas. » C'est comme un oubli de l'histoire que t'as vécu. Parce que tu l'as pas... Genre, il y a une ignorance, puis au fait qu'on l'a occulté, l'histoire, de toute façon, fait que c'est comme... On t'a détruit, mais personne ne le sait, alors personne va probablement t'aider. Après, personne n'aide vraiment. Même les spécialistes, soi-disant en santé, le psychologue, le psychiatre, médecin, m'ont pas vraiment aidé dans la vie à ce niveau-là. Il y a une incompréhension assez claire de tout ce qui peut signifier ces abus. Je commence à peine à pouvoir entrevoir des groupes qui m'aident vraiment, comme Kickfast par exemple, qui viennent en aide aux hommes qui ont été abusés sexuellement dans leur enfance puis qui ont une compréhension assez large. De ce que ça a pu nous signifier, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est comme.
C'est aussi ce que Muriel Salmona, dans le livre noir de la violence sexuelle, a dit, qu'il y a une ignorance profonde même chez les spécialistes de la santé, puis que ça a toutes sortes de conséquences, puis que c'est pas pris suffisamment en compte. Mais c'est ça l'histoire de ma vie, en fait, la pas prise en compte de ça, puis tous les problèmes qui de destruction, d'autodestruction, ben ils ont amené à une destruction de mon parcours, destruction de mon parcours professionnel, destruction de mon parcours scolaire. Tu sais, je me suis rendu à la maîtrise, mais j'ai abandonné, puis j'ai toujours voulu abandonner l'école, je me suis jamais vraiment senti bien là. J'ai de la misère à me sentir bien à toute place où il y a l'autorité, que ce soit dans le travail, dans l'école, toute place où il y a l'autorité, que j'ai à composer avec l'autorité. Parce que pour moi, l'autorité est liée à la destruction. Puis il y a une espèce de nécessité de se soumettre qui est complètement autodestructrice. Du coup, ça a bousillé toute ma vie, ces abus-là. Puis ça a bousillé toute ma vie. Puis les gens ne comprennent pas qu'est-ce que ça a bousillé, parce que non seulement ils savent pas qu'est-ce que ça veut dire en général, mais ils savent pas qu'est-ce que ça voulait dire dans ma vie, parce qu'ils l'ont juste pas su aussi. Genre, quand les gens, ils savent des choses, des fois, il y en a quelques-uns là-dedans qui sont de bonne conscience ou de bonne foi, puis qui vont t'aider à essayer d'affronter les choses que t'as de la difficulté à affronter par toi-même. Mais quand t'es soumis au silence toi-même, ben, y a personne qui le sait, alors tu restes avec les problèmes toi-même. Tu te dis avec tout toi-même. Puis, c'est tellement lourd que c'est pas étonnant. Je veux dire, après ça, je fais de l'insomnie depuis... Ça fait tellement longtemps que j'ai fait de l'insomnie que je suis capable de me souvenir à quel âge ça a commencé. Des problèmes socio-économiques de pauvreté récurrente. Du coup, la misère socio-économique. Problèmes sexuels avec ton identité. Aussi à composer, avoir des relations harmonieuses avec tes partenaires dans l'intimité. Parce que tu comprends pas tant ton corps, parce que ton corps est plein habité de plein de choses que tu contrôles pas. Problème avec la famille, qui est inconnue. Si les gens qui savent pas qu'est-ce qui s'est passé, ben, ils sentent que tu t'en veux à ton père, mais pourquoi t'en voudrais à ton père? C'est ton père quand même. Il y a quand même une valorisation sacrée quasiment dans la famille chez les Québécois que nous sommes, Québécois, Québécoises. Valeur sacrée de du père et de la mère, genre des filles parentales. Du coup, on doit aimer ces gens-là, mais je veux dire, ces gens-là, est-ce qu'ils ont mérité d'être aimés? Ben, pas tout le temps. Puis, ben, ça pose toutes sortes de problèmes qui sont occultés, puis que tu vis avec, puis que c'est ça, je dis l'insomnie, les dépressions, les idées suicidaires, tentatives de suicide. Ça s'en fait long, ça fait lourd, puis ça détruit ton être, ça détruit ce que tu peux faire dans la vie, ça détruit ce que ton environnement socio-professionnel, socio-économique. En fait, c'est un poids que tu portes. Tu portes toute ta vie. Ça peut s'atténuer dans ses conséquences en travaillant sur soi-même, en travaillant en thérapie, en travaillant avec d'autres qui ont vécu des choses similaires. Mais sinon, hein, c'est toujours là, puis ça va mourir avec toi. C'est comme... Puis ça, c'est si toi, tu l'auras pas fait subir à d'autres, qui vont le faire subir à d'autres. Du coup, il y a une courroie de transmission de la violence qui se vit. Genre, je sais, mon père, il a été violenté dans sa famille. Ou tout au moins au niveau psychologique, il était traité comme le fou de sa famille ou le débile, celui qui ira pas à l'école. Parce qu'il mérite pas d'y aller, parce que de toute façon il est trop cave pour étudier, alors que les autres sont allés. Alors c'est sûr, il a été dénigré, diminué, puis ça a détruit sa vie aussi. Mais justement, moi, ma vie a été détruite par lui, mais ce que j'ai décidé, c'est que j'allais faire du bien autour de moi. Que j'allais pas, genre, jouer la victime, justement, puis juste répéter ce que lui a fait, puis que je l'ai fait subir aux autres pour me venger, puis que dans le fond, cette courroie de transmission de la violence dont je parle allait juste se reproduire. Du coup, c'est important que je la fasse cesser avec moi. Puis pour que je la fasse cesser avec moi, ben, ça prend de l'aide.
Ça prend la force que j'ai en moi-même, mais j'ai une grande force, parce que sinon je serais plus là pour en parler. La force de vie, par contre, des fois, la force de vie, elle s'atténue. On se fatigue avec le temps, avec à subir tout ça, puis à combattre toutes les conséquences que ça a. Les conséquences de santé mentale, les conséquences socio-économiques. En tout cas, je pense que je les ai déjà un peu nommées. Puis, ben, c'est ça, je suis encore là aujourd'hui. Puis, si je fais justement ce reportage sur ma vie personnelle à travers tout ça, c'est pour que ça se dise. Pour que ça se dise que mon père, Daniel Labrecque, a abusé de moi-même. Il a déjà été arrêté pour avoir abusé quelqu'un d'autre. Et il a probablement abusé beaucoup d'autres mondes. Puis que aussi, si les gens vivent encore avec ça, puis qu'ils ont besoin de le dire, ben qu'ils le disent. Si ça prend une caméra, hein, moi-même je suis prêt à aller vous filmer pour que vous le disiez si vous voulez être filmé. Ou si vous voulez qu'on enregistre le son de votre voix, je vais faire ça aussi. Mais sortez-le, gardez-le pas pour vous. Le garder pour soi, comme ça, comme plusieurs personnes ont essayé de faire avec les victimes, ben, ça mène à toutes sortes de phénomènes comme la reproduction des abus, ça mène au suicide, ça mène à la misère, de toutes les manières. Alors, je vous encourage fortement à témoigner, comme je le fais présentement. Si je le fais, c'est aussi pour d'autres qui n'oseraient pas nécessairement le faire, mais qu'on s'encourage collectivement à faire ça. Qu'à faire cesser le silence qui entoure, puis non seulement le silence, mais qu'on trouve le moyen de se rassembler ensemble pour confronter cette existence des abus et qu'on les fasse cesser, à un moment donné ou à un autre, en luttant fort contre ce qui les provoque. Puis ce qui les provoque, ben fondamentalement, c'est pas très compliqué, c'est l'oppression. L'oppression patriarcale, particulièrement dans ce cas-ci. Alors, c'est tout un système qu'il faut combattre, mais faire des liens aussi entre ce qu'on combat à titre individuel et ce qu'on combat à titre systémique. Ce que j'aurais aimé ça que les gens fassent pour moi, ben, j'aurais aimé ça qu'ils fassent cesser le silence, que ça aurait pas été juste sur mes épaules à moi de faire cesser le silence. Qu'on m'aurait aidé dans des situations de vie où j'ai de la misère. Comme j'ai dit, j'ai de la misère en pas mal de choses. Qu'au lieu de soumettre au silence, qu'on le dise puis qu'on le fasse savoir, comme ça peut-être d'autres personnes seraient portées volontaires à m'aider et à confronter l'abus. Puis en plus, c'est plus genre seulement à m'aider moi à confronter l'abuseur qui est mon père, mais peut-être à faire cesser complètement aussi en le disant, en jetant la honte sur lui et non sur la victime que je suis, les autres victimes qui ont pu être victimes de lui ou de d'autres, ben en jetant le blâme sur lui, qu'il sache que les gens ils savent. Puis qu'il pourra pas s'en tirer comme ça. T'sais. Parce qu'il y a trop de monde qui s'en tire comme ça. Il y a trop d'abus qui se perpétuent à tous les niveaux, autant au niveau de la famille qu'au niveau des hommes sur les femmes en général, sur les hommes sur d'autres hommes. C'est comme les abus sont perpétués, ils sont tus. En général, ils s'en tirent même en cours. Ils s'en tirent un peu partout. Du coup, ça fait juste continuer. Fait que le dire, le confronter, ne pas passer sous silence, ne pas le faire taire, ça serait comme déjà un début. Puis après ça, ben, trouver les moyens de confronter tout ça. Ça se fera pas du jour au lendemain, mais si on commence pas aujourd'hui, ben, on commencera pas plus demain. Puis il y a tout un travail à faire, alors aussi bien commencer bientôt. Ne serait-ce qu'à l'instant dans lequel on se parle. Parce que le viol est une réalité de tous les jours, de tous les instants. Puis que ce serait bien le temps que ça arrête. Puis dans le fond, on a reparti la caméra parce qu'il y avait des choses que j'ai oublié de dire. Tu sais, il y a plein de choses que j'ai oublié de dire, c'est sûr, dans ce témoignage-là. En même temps, faire ce témoignage-là, c'est comme pour en parler, ça libère toujours un peu. En même temps, tu te sens toujours coupable de faire ce genre de témoignage parce que c'est par toi que cette laide vérité continue d'exister. Fait que je pense qu'il y a aussi, comme souvent, les idées suicidaires viennent de là. C'est comme te faire disparaître, c'est te faire disparaître cette partie de la réalité-là. Mais en même temps, on sait très bien qu'elle disparaît pas avec la perte de quelqu'un. Que c'est aussi un problème social plus généralisé que soi-même. Parlant de problèmes plus généralisés que soi-même,
Ces abus sexuels-là parlent aussi, genre, de comment on pornographise les corps dans la société, puis comment on les abuse. Puis j'ai parlé aussi de du lien entre, c'est ça, le phénomène plus social, puis le phénomène individuel qui se connecte. Une chose que j'ai oublié de dire dans mon témoignage, c'est que vers la fin de mon adolescence, je crois que c'est avant la vingtaine, mon père, à une ou deux reprises, en parlant de la pression juvénile, ça j'en ai déjà parlé dans le témoignage, m'a proposé de me prostituer pour lui. Comme il pouvait plus vraiment m'abuser de manière gratuite, ben c'était sa manière à lui de pouvoir continuer à faire ça en me payant. D'ailleurs, il a déjà dit à une amie que dans le fond, si j'avais été payé pour le faire, peut-être que je serais pas aussi révolté contre lui. Ce qui m'amène à être encore plus révolté parce que ça a juste pas lieu d'être. Mais c'est ça. On part ça, la mémoire corporelle de tous ces abus qui continuent encore à exister aujourd'hui pour moi, elle se traduira jamais dans un témoignage quelconque, audio, visuel, peu importe, parce que c'est pas vraiment visible. T'sais, il y a toujours les plaies sur son corps ou les années accumulées qui passent parfois un peu sur sa peau ou en dessous de ses yeux à certains endroits, mais quand même. La mémoire corporelle n'est pas quelque chose qui est facilement reproductible par les moyens technologiques. Mais à chaque fois qu'on parle de ça, on se sent coupable parce que, comme j'ai dit, la parole revient alors qu'elle devrait être tue, comme ça a été essayé à plusieurs égards, à mon avis, sur moi et sur d'autres. Mais c'est ça. Fait que tout ça ramène au fait que. Ça doit être son fils, ça doit être quelqu'un de proche. Puisque les abus arrivent souvent par les gens proches. Ben, c'est juste un corps comme les autres dont on peut abuser si on a le pouvoir de le faire. Fait que c'est important de le dire, même si on se sent vraiment coupable à quelque part. Puis qu'on sent que on fait du tort à des gens qu'on aime, mais que on oublie parfois même en tant que personne qui a été abusée que. Les personnes qui on aime nous ont fait bien du tort, puis que la parole sorte, ben c'est peut-être juste la moindre des choses. Ça libère, puis c'est pour ça aussi que j'encourage les autres à dire.